C'est parti pour la seconde phase de présouscription aux logements sociaux. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donné le top départ de l'opération aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain et est ouverte à tous les nationaux et non nationaux. Ce jeudi 6 février est célébrée la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, 38 femmes sur 100 sont encore victimes de cette pratique. Ils ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire après l'opération d'identification. Les ex-forces de défense et de sécurité, tous corps confondus, rentrés d'exil, ont reçu le solde ce jeudi. Hier, l'ONU a demandé au Vatican de suspendre immédiatement tous les religieux coupables ou soupçonnés d'actes pédophiles et les traduire devant les juridictions. Le Vatican dénonce une ingérence et accuse l'ONU de déformer les faits. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Ajoutez au sommaire de cette édition le dossier du jeudi. Nous parlerons de l'opération de translocation des éléphants de Daloa à Grand Laou. Comment s'est déroulée cette opération au cours de laquelle 4 éléphants ont été capturés, 2 ont été tués? Nous en saurons davantage dans quelques instants dans le dossier de la rédaction. Commençons par l'audience du Premier ministre ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le ministre délégué auprès du ministre français de l'Agriculture à la primature. Il était question de coopération dans le secteur du cacao. La France envisage d'aider la Côte d'Ivoire à créer une usine de chocolat, nous explique Gabriel Zani. Dans la perspective d'un partenariat gagnant-gagnant relatif à la construction d'une unité industrielle de chocolat en Côte d'Ivoire, Guillaume Garo, ministre français délégué auprès du ministre de l'Agriculture, a été reçu ce jeudi par Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement. L'idée, c'est de faire ici, chez vous, de la deuxième transformation, c'est-à-dire de produire non seulement du cacao, mais aussi des produits, du chocolat, pour les Ivoiriens et pour l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment l'exemple même d'un partenariat gagnant-gagnant. Faciliter l'investissement des entreprises françaises en Côte d'Ivoire permettra le renforcement de la coopération ivoiro-française dans le secteur du cacao, a soutenu le ministre français. Cette coopération a été déjà matérialisée par la signature d'un protocole d'accord ce jeudi entre le chocolatier français Semoy et le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce protocole d'un montant initial de près de 4 milliards de francs CFA vise à booster la filière cacao. Bientôt, la construction en Côte d'Ivoire d'une unité industrielle de transformation du cacao. La promesse du chocolatier français Semoy semble se préciser. Un protocole d'engagement en vue de faciliter l'investissement a été signé ce matin par le président du groupe et le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce protocole d'un montant initial d'environ 4 milliards de francs CFA vise justement à booster la filière du cacao en Côte d'Ivoire. Et cet autre acte qui vient conforter la transformation du cacao dans le pays. L'inauguration cet après-midi dans les locaux du groupe Semoy d'un laboratoire d'analyse microbiologique dédié aux produits de cacao. Demain, le compte-rendu complet de notre reporter Ali Dirasouba. Les dirigeants de banques et établissements de crédit sont en conclave à Abidjan depuis ce matin. Ils planchent notamment sur le financement des infrastructures en Afrique. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique veut investir dans le domaine des infrastructures sur le continent. La rencontre d'Abidjan permettra par ailleurs de faire le point des activités du club depuis 25 ans, nous explique Gabriel Sani. Le secteur bancaire est en bonne santé. Aucune banque en Afrique n'a déclaré faillite, selon Souleymane Dirasouba, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Cette bonne performance est due sans doute aux rencontres des responsables financiers dans le cadre du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Ce jeudi, se sont ouvertes à Abidjan, en présence du Premier ministre, les journées annuelles du club. Ces rencontres qui tiennent lieu d'assemblée générale permettront à ces chefs financiers africains et européens de faire le point des activités bancaires menées en Afrique durant ces 25 dernières années.
La dynamique que connaît l'activité bancaire aujourd'hui doit être mieux protégée et entretenue afin de mieux financer nos économies. Le développement des infrastructures du continent sera sur la table des réflexions. Nous avons retenu ce sous-thème pour que les institutions de financement du développement et les banques commerciales puissent confronter leurs idées et approfondir la réflexion sur la problématique du financement des infrastructures. De nombreux défis restent cependant à relever, selon le chef du gouvernement, qui n'a pas hésité à plaider pour le financement des secteurs sociaux tels que le logement. Plusieurs défis majeurs doivent être relevés, notamment la faible bancarisation qui, à titre indicatif, est de 7% pour l'ensemble des pays de l'UMOA et de 14% pour la Côte d'Ivoire. Le faible accès au crédit des PME, limitant la valorisation du potentiel de croissance et d'emploi dont elle regorge. Cette rencontre est la 25e du genre depuis la création du club des dirigeants de banque en 1989 à Lomé au Togo. Le club accueille des représentants de la plupart des institutions internationales. Et c'est parti pour la seconde phase de présouscription aux logements sociaux, économiques et de standing. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donné le top départ de l'opération aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain et est ouverte à tous les nationaux et non nationaux. L'objectif du gouvernement ivoirien est de permettre à chaque citoyen d'accéder à un logement décent à moindre coût. Le reportage est signé Gabriel Zani. Quand le bâtiment va, tout va, a dit ce jeudi le chef du gouvernement au lancement officiel de la deuxième phase de présouscription aux logements sociaux. La première opération de présouscription lancée en mars 2013 a connu un franc succès, selon Daniel Kablan-Duncan, avec le recensement de 57 000 demandeurs de logements sociaux. Il a donc demandé aux acteurs impliqués dans le projet de soutenir l'État. Vous êtes 39 à vous être engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce programme. Je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans l'effort afin de concrétiser très rapidement le programme de construction de logements sociaux et de logements de manière globale. Le logement doit mobiliser toutes les énergies. Ce sont 35 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement pour soutenir le programme du logement. Cela dit, les conditions de présouscription n'ont pas changé. Les statistiques en notre possession font état de ce qu'il y a eu beaucoup qui ne remplissent pas les critères des banques et des promoteurs. L'État ne vous oubliera pas. Nous avons reçu les consignes de M. le Premier ministre de mettre en place un mécanisme pour vous accompagner. Tout le monde sera pris en compte. Les promoteurs des logements sociaux sont confiants car les premiers travaux ouverts sont en bonne voie. Tout en rassurant les populations de la réussite du projet, le Premier ministre a invité le public à ne pas rater cette deuxième phase de présouscription. Et c'est le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement, CEFAL, qui sert de guichet unique où toutes les formalités d'acquisition de logement seront accomplies. C'est une pratique nuisible et dangereuse. Ce 6 février, la communauté internationale tire encore la sonnette d'alarme à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ces mutilations causent un préjudice grave aux femmes qui les subissent. Je vous propose de suivre à présent le témoignage de femmes excisées, des femmes qui ont accepté de briser le silence et de parler de cette pratique dont elles ont été victimes et qui leur a laissé des séquelles. Elles sont pour la plupart suivies par la fondation Guigui, la grande espérance, qui lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est un reportage de Laetitia Mangli. Selon des récentes estimations de l'Organisation mondiale de la santé, entre 130 et 140 millions de femmes ont déjà subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision, et on estime à 38% le nombre de femmes excisées dans le pays. J'avais 8 ans. Les parents nous ont pas dit, effectivement, c'est ça, on partait faire quoi. On nous a dit, bon, devinons, on va aller en vacances, pour arriver là-bas. Bon, le jour, on nous a pas dit que c'était pour ça, quoi. On était au moins, souvent, vous êtes 300 personnes. Bon, on est parti, bon, ils ont fait l'excision, bon. On a pleuré. Après, j'ai dit à mes parents que vraiment, moi aussi, je savais que c'était un truc comme ça. J'allais
m'échapper. On était petites, donc on nous a appris par les faits. Mes enfants ne vont pas faire, mes petits ne vont pas faire. Je ne veux plus que personne ne fasse, que parce que ce n'est pas normal. Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, recouvrent un ensemble de pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale, ou même à l'altération des organes génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. Souvent pratiquées par des praticiens traditionnels, comme les exciseuses ou les matrones, l'opération se fait sans anesthésie, avec des ciseaux, des lames de rasoir ou des couteaux. L'intervention peut entraîner des complications telles que les douleurs, l'état de choc et même parfois la mort. C'est le clitoris qui est coupé et qui est la concentration de plusieurs veines. Et donc en le coupant, il y a une hémorragie qui est provoquée, quelquefois qui n'est pas maîtrisée. Et il s'ensuit plusieurs fois, en tout cas que nous avons été informés, des cas de décès, de mort d'hommes. Dans le monde entier, cette pratique barbare menace encore un peu plus de 3 millions de femmes. Ce 6 février, journée officielle de lutte contre les mutilations génitales féminines, c'est l'occasion pour les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique. Et ce combat contre les mutilations génitales féminines mené par la Fondation Guigiba est aussi mené par une écrivaine ivoirienne, Ami Traoré. Ce 6 février, journée de lutte contre les mutilations génitales féminines, elle a donné une conférence de presse au lycée des jeunes filles de Yopougon. L'écrivaine fait de son histoire un moyen de lutte contre l'excision. Le récit est signé Delphine Bla. Des cicatrices choquantes, bouleversantes, que nous avons dû flouter, marque indélébile d'une pratique ancestrale, les mutilations génitales féminines. Elles continuent de faire des victimes innocentes. Parmi ces victimes, Ami Traoré. Sur cette photo, elle avait encore 4 ans. Elle était bien entourée de sa famille. Quant à 8 ans, en classe de CP2, elle a connu cette atrocité, l'excision. Je ne comprenais pas par rapport à l'anatomie, pourquoi ces cicatrices. Donc forcément, on a beaucoup d'interrogations, donc on ne trouve pas réellement de réponses. Mais au fur et à mesure, quand on échange avec les amis, les parents, on commence à voir que quand je mangeais le poulet, je mangeais le riz ou bien j'avais la cola dans la bouche, c'était parce que voilà, on devait m'exciser. Aujourd'hui, à 35 ans, Ami Traoré vit difficilement sa situation. Elle la retrace au cours de cette conférence. Dans la même salle, juristes, médecins et élèves. Ce qui ressort de la rencontre, son accouchement difficile. L'une des conséquences des mutilations génitales féminines. J'ai eu aussi un fils. L'accouchement, on va dire, ça s'est passé dans des conditions un peu difficiles suite à la cicatrisation. L'accouchement chez la femme qui a subi les mutilations génitales est différent de celui de celle qui ne l'a pas subi. Pourquoi? Parce que l'organe génital féminin par lequel l'enfant vient au monde est cicatriciel, donc a perdu sa souplesse. Plus jamais ces images de lames, de couteaux ou autres objets tranchants pour soumettre les jeunes filles aux mutilations génitales féminines. La loi ivoirienne l'interdit. Et c'est bien perçu. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire est reconnaissante au président de la République pour la ratification de la Convention des Nations Unies en faveur des personnes handicapées. La Confédération plaide par ailleurs pour la prise de mesures concrètes en vue de la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Le récit d'Abou Sanogo. Pour les handicapés de Côte d'Ivoire, c'est une avancée vers une intégration significative dans la société. La Convention 61-106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée le 10 janvier dernier par le président de la République Alassane Ouattara. Les droits et la dignité des personnes handicapées seront davantage préservés et promus, car la Convention est un instrument international, juridique et contraignant pour les États signataires. Satisfaites de cette ratification, les organisations ivoiriennes des handicapés saluent leurs autorités. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, à travers la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COPHCI, disent merci à son Excellence Alassane Ouattara
président de la République de Côte d'Ivoire et à son gouvernement pour la promesse tenue. Rendre un hommage à notre Parlement qui a autorisé cette ratification en plénière le 21 juin 2013. Sans reconnaissant des efforts déployés par le ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle à travers la direction de la promotion des personnes handicapées. Avec la Convention 61-106 des Nations Unies, les handicapés espèrent des réformes législatives et politiques qui permettront d'améliorer leurs conditions de vie, un accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé. Ils demeurent donc mobilisés. Quant aux organisations des personnes handicapées, il nous appartiendra de faire le plaidoyer pour la mise en œuvre et le suivi de cette convention qui reste pour nous un instrument de droit de l'homme et de développement social. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 3 millions de handicapés qui nourrissent l'espoir d'un avenir meilleur, la réalisation d'une société plus inclusive. L'Union nationale des fonctionnaires et agents de l'État retraités de Côte d'Ivoire salue la décision du gouvernement de revaloriser les pensions des fonctionnaires à la retraite. Elle a exprimé ce matin au cours d'une rencontre suivie pour vous par Patricia Omuetia. La prise en compte des fonctionnaires retraités dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncée par le président de la République fait l'objet de joie et de gratitude au sein de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire. La mesure n'ayant pu être appliquée en janvier, le directeur général de la Caisse générale de retraite et agents de l'État, Ségrailleux, a annoncé son application pour fin février 2014, assorti d'un rappel pour le mois de janvier 2014. Le président de l'UNAFRESI salue la décision du gouvernement. Tous ceux qui sont allés à la retraite, pour la plupart, certains n'ont jamais eu un avancement suivi et rémunéré comme par le passé. Et ils sont à la retraite et c'est là qu'on a pu leur faire l'avancement et payer à la Ségraillé le dernier indice. Et aujourd'hui, ils ont le bénéfice de la rémunération. C'est une chance et nous ne pouvons pas nous taire, sinon ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les bienfaits du chef de l'État. Toutefois, des préoccupations d'ordre social pour une meilleure condition de vie des retraités demeurent, précise le président de l'UNAFRESI. Nos besoins sociaux, tels l'hôpital de gériatrie, parce que je dis qu'il y a une PMI pour les bébés, il faut qu'on pense à l'hôpital des personnes âgées. Toujours selon Kwasi Kofi-Maturin, la mesure relative à la revalorisation des salaires est précédée par le changement de statut de la Ségrailleux en institution de prévoyance sociale et de la prise en charge totale par la Ségrailleux de la liquidation des pensions. Ils ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire après l'opération d'identification. Les ex-forces de défense et de sécurité, tous corps confondus, rentrés d'exil, ont reçu le solde ce jeudi en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le reportage d'Abou Sanogo. Après les phases d'identification, de croisement des fichiers et de vérification de données avec l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité rentrés d'exil, ont perçu leur solde de ce mois de janvier. Il reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leur solde. Ils vont repartir en caserne, comme il se doit. Pour les militaires, pour les autres, ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification qui s'inquiètent, nous avons les mains de côté. De 1280 ex-forces de défense et de sécurité, tout corps confondu, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale.
Et on ouvre le chapitre politique de cette édition avec cette rencontre entre le Front populaire ivoirien et le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les échanges ont porté, bien sûr, sur le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, nous explique Chantal Eouma Kandan. La réconciliation nationale, un programme majeur pour le FPI. Ce parti politique entend accompagner la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, dans ce processus. D'où cette rencontre avec Charles Konan Bani, président de l'institution. En attendant d'échanger officiellement sur la question avec la CDVR, le FPI affiche la constance de sa vision. Ce que nous devons retenir, c'est l'engagement que nous avons pris et la décision qui a été arrêtée, que nous puissions rencontrer la CDVR dans sa composition opérationnelle pour échanger avec les membres sur notre vision de la réconciliation. C'est le dialogue politique pour régler les questions qui constituent les effets de la crise. C'est les états généraux de la République pour mobiliser l'ensemble des composants de la nation pour examiner les causes de la crise, en tirer les leçons, notamment sur le plan des réformes politiques et institutionnelles, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller dans la paix aux prochaines élections et puisse, je dirais, engager la reconstruction dans la stabilité. Nous n'avons pas arrêté de date précise. Nous allons donc rester en contact avec le cabinet du président pour pouvoir nous rencontrer le plus rapidement possible. Le mandat de la CDVR a été prolongé par ordonnance depuis septembre 2013 pour une durée de 1 an, en vue de permettre à la structure d'achever ses actions entamées sur la réconciliation nationale. Les chefs traditionnels gourous ont échangé ce jeudi matin avec le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, RDR. Les chefs traditionnels gourous plaident pour une visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de la Maraoué. On en parle avec Michel Digré. L'ambiance du terroir gourou transporté à la rue Le Pic au siège du Rassemblement des Républicains. Pour donner les raisons de cette ferveur, deux fils de la région de la Maraoué, Zorobi Epiphane et le député Ferdinand Zambi, ont parlé au nom des chefs traditionnels. Voir Amadou Soumaoro pour échanger en famille, pour parler de cœur à cœur. C'est ce qu'ont souhaité nos parents. Pour parler de cœur à cœur, pour parler d'une même voix, pour emprunter une voix unique, la voix du vivre ensemble, prôné et promu par le RDR, pour parler solidarité, pour parler développement. Mes parents sont venus vers vous, chers frères Amadou Soumaoro, pour vous dire de tout mettre en œuvre auprès du président de la République. Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils veulent voir leur fils Alassane. Pour le secrétaire général par intérim du RDR, la région de la Maraoué sera prise en compte par le président de la République dans le cadre de ses visites d'État à l'intérieur du pays. Le chef de l'État ira très bientôt dans la Maraoué. Mais il vient dans la Maraoué, pas pour faire de la politique politicienne. Il vient pour vous donner l'eau. Il vient pour vous donner la bourse. Il vient pour vous donner l'électricité. Il vient pour vous donner des efforts, comme il en fait déjà ailleurs. C'est donc rassuré que les chefs traditionnels gourous ont quitté la rue Le Pic dans l'espoir d'une prochaine visite du chef de l'État dans la région de la Maraoué. Au total, 6 éléphants étaient concernés par cette opération de translocation des éléphants de Daloa Grand Lao. 4 éléphants ont été capturés, 2 ont été tués. Comment s'est déroulée l'opération? Réponse dans le dossier de la rédaction signé Herman Yamien. Parc national de la Maraoué, c'est d'ici que sont partis les éléphants qui ont séjourné pendant plus de 2 ans dans les périphéries de Daloa, ville située à 380 km au nord-ouest d'Abidjan. Après la destruction de leur habitat d'origine pendant la crise post-électorale, ces pachydèmes se sont mis à la recherche d'un nouveau site pour leur subsistance. Dans leur progression, plusieurs cultures ont été dévastées. Gogogué, village situé à 2 km de Daloa, fait partie des premières victimes. Le séjour des éléphants dans les alentours du village durera plus de 3 mois. Premier jour, quand ils sont arrivés le soir, je suis allé.
croyant que c'était les petits gibiers là, moi je vais taper les choses là pour qu'ils partent. Là c'est le contraire. Mon hangar, où je suis assis, ils sont venus vers moi. C'était vers les 19h, par là. J'ai fui. Le lendemain, je vais, mon appartement, ils ont tout détruit. Tout ce qui est chez moi là, ils ont tout détruit. Mon mari a déjà des jeunes. Quand il met feu là, ils ont vu le feu, ils peuvent fuir. Bon. Quand il met feu, maintenant, ils viennent beaucoup. Jusqu'à quand c'est dans ça, ils ont fait presque 2 à 3 mois ici même. Le chat même, quand tu prêtes quelque chose là, ça ne peut même pas bien pousser. Puisque déjà, ils ont mis la bouche dedans. Après, la bouche, c'est venez voir, on ne sait pas. Antoine Obikwa est l'une des victimes des éléphants à Gogogué. 2 ans après leur passage dans sa plantation, l'homme a encore le cœur meurtri. Tout ce que j'avais eu comme plan ici, non seulement les éléphants marchaient dessus, la population même qui venait encore par curiosité pour y faire, je ne pouvais même plus. Malgré mes cris, les gens ont détruit pratiquement tout. Aujourd'hui, je suis en train de reprendre. Plus rien ne reste de sa plantation, seulement que de la broussaille. Il faudra recommencer à zéro. Comme Obikwa, nombreux sont les planteurs qui sont à la tâche pour redonner vie à leur plantation. Malgré la destruction de leur culture, ces planteurs ont pu éviter l'irréparable grâce à l'intervention des autorités administratives. Nous avons demandé à la population d'observer les règles strictes de sécurité, notamment d'éviter de s'approcher trop des animaux, de les stresser et surtout de s'attaquer aux animaux et surtout de ne pas les abattre. Ces consignes de sécurité ont été respectées, mais l'on dénomme tout de même 4 victimes, dont 2 personnes tuées et plusieurs plantations détruites. Cette page sombre des villageois de Daloa peut être considérée comme un vieux souvenir. L'État s'est investi et un contrat a été signé avec AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, pour la translocation de ces éléphants au parc national d'Azani à Grand Laou. Un site propice selon les experts pour accueillir ces éléphants. Ces derniers font partie d'une sous-espèce d'éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest en danger d'extinction. En général, quand les éléphants détruisent les cultures, la décision qui est prise le plus souvent, c'est de les abattre. Or là, la République de Côte d'Ivoire a décidé de protéger réellement ces éléphants qui sont en plus l'emblème national du pays et de voir de quelle manière on pouvait résoudre ce problème de conflit entre humains et éléphants de façon éthique. Et donc, nous sommes venus faire une première mission d'évaluation en juillet 2012. Nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de capturer ces éléphants. Notre souhait, c'est que cela réussisse quoi, pour faire évacuer les éléphants de chez nous, parce que ça a trop fait de dégâts. Si l'État pouvait dédommager ces planteurs-là, ça allait nous arranger. L'opération de capture a duré 1 semaine. Elle a coûté 205 000 dollars, soit environ 130 millions de francs CFA. Une logistique importante a été déployée par AIFO, une équipe terrestre épaulée par des agents des eaux et forêts et des pisteurs villageois appuyés par un hélicoptère, a été mobilisée pour la capture des pachydèmes. Le tout couronné par une équipe de télévision pour immortaliser cette opération inédite. Bilan de l'expédition, 6 éléphants capturés sur les 15 signalés. On dénombre malheureusement 2 tués, l'un par noyade et l'autre qui n'a pu supporter l'effet du tranquillisant. À la conférence de clôture, la directrice de AIFO a précisé que les éléphants capturés sont ceux qui étaient encore présents dans la localité pendant l'opération. Il est vrai que la fiabilité des chiffres est difficile à avoir. En revanche, que ce que nous avons pu constater, c'est que certains éléphants que nous avions vus en juillet 2012 n'étaient plus là. Donc nous avions vu une femelle avec son petit, celle-ci n'était plus là du tout, donc nous ne savons pas si elle a été braconnée ou si elle est partie ailleurs. Où sont donc passés les autres éléphants? Se sont-ils orientés vers d'autres destinations ou bien serait-ce un mauvais comptage? Ce sont en tout cas les questions que se posent les populations villageoises, elles qui sont encore sous le choc. Pour l'équipe de AIFO, la question ne se pose plus, la mission est bel et bien terminée. Et c'était le dossier de la rédaction signé Herman Nyamien. Hier, l'ONU a demandé au Vatican de suspendre immédiatement tous les religieux coupables ou soupçonnés d'actes pédophiles et les traduire devant les juridictions. Le Vatican dit prendre acte, mais dénonce une ingérence et accuse l'ONU de déformer les faits. C'est un rapport extrêmement critique que vient de rendre le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Une véritable charge contre la façon dont l'Église catholique a étouffé des milliers d'affaires de pédophilie
en son sein. Le Saint-Siège a adopté des politiques et des pratiques qui ont eu pour conséquence la poursuite des violences sexuelles et l'impunité pour leurs auteurs. Le Saint-Siège a toujours placé son souci de préserver la réputation de l'Église et la protection des auteurs de ces crimes au-dessus de l'intérêt supérieur de l'enfant. Réponse du Vatican, ce communiqué dans lequel il promet d'examiner minutieusement les conclusions du rapport. Ce qui ne l'empêche pas d'accuser l'ONU de déformer certains faits et surtout de passer sous silence l'opération Transparence entamée par le pape précédent, Benoît XVI. Mais une chose est sûre, le coup porté est rude. Le rapport est incroyablement virulent, car ce qu'il dit, c'est tout simplement que le Vatican a mis en place des procédures qui ont permis que des enfants soient victimes de violences, et cela pendant plusieurs décennies. Combien y a-t-il eu d'enfants concernés ? Difficile à dire. Mais de Rio à Madrid, en passant par les États-Unis, c'est la même satisfaction pour les associations de victimes. C'est un soulagement. Et au-delà, une reconnaissance du fait que nous avons toujours dit la vérité. Et que nous n'avons pas menti, contrairement à ce que disaient les campagnes contre nous. Le mois dernier, le Vatican avait révélé que 400 prêtres accusés de pédophilie ont été démis de leurs fonctions sous le pontificat de Benoît XVI. Et c'est ici que l'on s'arrête, mais restez avec nous juste après ce journal. Retrouvez l'émission Bilance, le forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Les chiffres, les points forts, les faiblesses et surtout les perspectives liées à ce forum dans une émission présentée par Ali Diarasouba. Merci à vous tous. À 23h, retrouvez Francis Boifaux.